très heureux et très honoré par ce geste qu'a posé Monsieur le Gouverneur, Son Excellence, aujourd'hui, à l'honneur de Papa Mufwankolo, l'icône du théâtre, l'icône de la comédie dans notre chère et belle province du Haut-Katanga. Et c'est un message très fort que le gouverneur a lancé en rapport avec tous les opérateurs culturels que nous sommes. Il a vraiment témoigné, il a dit tout haut de l'attention qu'il accorde aux comédiens, aux artistes, aux opérateurs culturels, et il les a encouragés à percer. Il a reconnu aujourd'hui que le travail qu'a abattu Mufwankolo est un très grand travail dans l'éducation des ménages, des familles, de la société, et il nous a tous encouragés de continuer sur cette lancée. Il nous a promis de nous honorer et de nous accompagner dans toutes nos activités. Mais je dois l'avouer ici que depuis un certain temps, le gouverneur Kaboul, à travers son ministère de la culture, le culturel se retrouve, ils sont considérés, ils sont invités. Ce que l'autorité provinciale vient de faire prouve à suffisance qu'il accorde une attention et une considération à la culture et à tous les culturels de sa province. Donc le gouverneur Saint-Vaillant, je suis derrière lui pour son deuxième mandat. Nous allons l'accompagner en tant qu'artiste.